À partir du 28 octobre, tous les salariés du Pôle emploi participeront aux élections professionnelles. Elles marqueront un tournant dans la représentation des personnels avec la création d'une nouvelle instance unique, le Comité social et économique. Dans ce nouveau contexte, vous aurez besoin de représentantes et représentants qui assureront la protection collective des personnels et votre défense individuelle. En matière d'activités sociales et culturelles, le SNU soutient la conservation des dotations agents, enfants, enfants handicapés et événements familiaux, la continuité des petites activités et des locations de vacances, la mise en place d'activités créatrices de liens, de culture, de connaissances dans tous les territoires, la solidarité, l'équité et la transparence, un budget fonds d'urgence en cas de coup dur. Pour cela, le SNU défend une prise en charge ou des prestations en fonction des revenus, l'accès aux prestations dès le premier jour du contrat et sans proratisation liée à la durée du contrat, des linéaires, gîtes, appartements, campings, en France et Europe, mer, montagne et campagne, des petites activités dans tous les départements, de la billetterie variée, des activités de bien-être, des parcs de loisirs, des activités culturelles et sportives, l'accès des retraités à la même prise en charge que les agents et conjoints sur les locations, petites activités, offres partenaires. Nous choisissons nos prestataires en tenant compte de l'engagement éco-responsable, de la qualité et de l'attractivité des lieux. Des prestations avec des offres larges et variées. Nous nous engageons. Faire plus pour ceux et celles qui ont le moins. Faire plus pour le plus grand nombre. Vous avez une voix. Le SNU en est l'écho.